Envoyez-moi des cadeaux, c'est sympa, c'est sympa. Oui, oui, je veux plein de cadeaux, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, bonjour. Oui, aujourd'hui je suis en pleine forme parce que du coup j'ai pas travaillé, enfin pas travaillé, j'exagère, si j'ai eu une conférence qui a duré une heure, voilà, donc voilà, et après la conférence bien entendu, hop, j'enlève mon tailleur, j'ai mis mon t-shirt à l'arrache et je me suis dit c'est parti, on va faire un petit unboxing. Franchement, ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui, c'est... Parce que il y a une gentille copine qui m'a envoyé plein de cadeaux. Je soupçonne que ce soit pas désintéressé quand même. Je t'envoie un cadeau. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'au vu de ce qu'il y a dedans, je me dis, une petite publicité. Ben, tu sais quoi, je vais faire une vidéo parce que comme ça au moins, si c'est pas totalement désintéressé et que voilà, et que pour le coup elle veut que je fasse de la pub, et ben en direct je dirai si ça me plaît ou si ça me plaît pas ce que tu m'as envoyé. Et puis ben si ça me plaît pas ma cocotte, ben tant pis pour toi, c'est pas grave, je te ferai de la mauvaise pub, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est pas mon problème. Non mais je rigole parce qu'en plus je l'adore Cathy, non mais Cathy je t'adore, t'es géniale, elle est géniale cette nana. Mais elle m'a dit vas-y je vais t'envoyer plein de trucs et tout, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Puis en mode bah vas-y envoie ce que tu veux, et du coup elle m'a envoyé mais... Je pensais pas qu'elle m'enverrait autant de choses. Et j'ai déjà ouvert le colis mes chéris, hein. Je l'ai déjà ouvert. Je vous explique, vous allez vous moquer de moi. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à filmer, j'ai fait une belle vidéo unboxing. Et puis bah, la vidéo était floue parce que j'avais pas de retour caméra. Et c'est pas grave, je le refais parce que je me suis rendu compte en fait que ça avait foiré alors que j'avais ouvert que la moitié du colis. Et là je me suis dit bah tu sais quoi, crotte, je le ferai plus tard, j'avais pas le temps. Et du coup je sais pas du tout du tout pour la moitié de ce qu'il y a là-dedans, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est juste génial. Sachant que je lui ai déjà fait de la pub une fois sur la chaîne bah parce que c'était totalement volontaire. De toute manière, moi je m'amuse pas à faire de la pub comme ça, comme je vous l'ai dit au moins 1000 fois. Moi si je fais du partenariat ou si je fais de la pub à quelqu'un, c'est parce que le truc me plaît vraiment et que j'ai vraiment envie de vous le partager. Parce que m'envoyer des mails en me disant tiens, est-ce que tu peux parler de ça, ça et ça s'il te plaît, ce ça, ça et ça que j'ai jamais eu dans les mains, que j'ai jamais testé, que j'ai jamais vu, je vais pas faire de la pub sur quelque chose que je ne connais pas, si ça se trouve c'est de la merde et je vais dire à tout le monde bah vas-y, prends, c'est génial alors que c'est de la merde. Non. Du coup toi qui m'as envoyé ce petit colis, bah tu sais quoi, eh ben hop hop hop, je me filme directement et puis ben comme ça, ben si ça me plaît tant mieux et puis si ça me plaît pas, ben tant pis. Tellement de trucs à vous montrer là-dedans, mais j'ai tellement hâte, ça va être génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais choper au pif en fait, les trucs genre au pif de chez au pif de chez au pif. Je vais pas trop me casser la tête, hop. L'extravagante mousse de massage crépitante. Fleur des îles. Mais c'est tellement cool. Ah oui d'accord. Ah t'es comme ça toi. Ah ça sent super bon. Génial. C'est très bizarre ce que je suis en train de faire là. C'est moi qui ai les idées mal placées ou vous aussi? C'est super agréable en fait comme sensation. C'est super frais en fait. Je trouve ça génial. Je kiffe l'odeur. Une mousse de massage crépitante. Ouais non mais alors ça ma cocotte, j'en vanterai pas les mérites. Hein. Je suis désolée. Mon honnêteté me perdra un jour. Alors bon, comment dire, je déteste le parfum. Et l'eau de toilette. J'ai une sainte horreur de l'eau de toilette et du parfum. Déjà ça, ça déjà, le... Oh ça sent vachement bon. Bon ça déjà c'est un grand 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 exploit que j'aime que j'aime cette odeur là. Mais alors ça ma cocotte, mais ça, mais non non ça c'est mort. Attends ça se trouve je critique mais je vais sentir hein. Le parfum, le déodorant, tous ces trucs là moi je peux pas. Je préfère conserver l'odeur corporelle, l'odeur ce qu'est utilisé au pire des cas des huiles essentielles. Ça va le chien, tu te grattes, tu fais du bruit. Ne fais pas de bruit s'il te plaît maman, ce film. Maman parle aux gens. Merci. Tiens viens chien, viens me dire ce que t'en penses. Ça. T'en penses quoi? Ça. Je te pas les couilles. Elle s'en fout. Mais elle s'en fout. Ah si, ça sent vachement bon en fait. Écoute, si,
Ça sent bon. Ok, je reconnais, je vais dire la vérité, ça sent super bon, ça sent la vanille, mais moi-même, je le mettrais pas sur moi, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je lis les ingrédients, tout ce que je vois, ça me perturbe. Je vais quand même le vanter un peu, le truc, faut pas que je mente. Il y a un moment donné, si, je vais quand même vous dire que, oui, ça sent super bon, ça, c'est un truc que je peux vous recommander. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser du parfum, si toi qui me regardes, t'as l'habitude déjà de mettre du parfum au quotidien et que c'est un truc que t'aimes bien, ok, moi, j'aime pas. Je vais peut-être te faire gagner, même peut-être à mes abonnés, j'en sais rien. Ça moi personnellement j'utiliserai pas, voilà, mais quelqu'un qui utilise déjà du parfum, ça lui pose aucun problème en fait. Moi les parfums qu'on trouve en magasin etc, à Sephora et compagnie, tu vas avoir du parfum, moi c'est mort hein. C'est mort, ça passe pas. Il y a deux parfums que j'ai aimé dans ma vie et j'ai pu supporter le côté un peu odeur chimique qui me perturbait. Womanizer de Thierry Mugler, Womanizer. Tu es fatigante, Brianna, tu es fatigante. Womanity de Thierry Mugler. Et c'était Patchouli aussi. Réminiscence. Patchouli. Ouais, en tout cas, ouais, il y a un truc qui s'appelait Patchouli, c'était vachement bien. Va faire dodo. Oui, je t'ai juste appelé pour sentir du parfum, je suis une connasse. Oui, je sais. Soit. Alors, on va se mettre en mission. Allons-y, allons-y gaiement. Ah, t'as toujours rêvé de me voir attachée, n'est-ce pas? Non mais, et, attendez, non, mais en plus, le jour où tu mets des bracelets, c'est très intelligent. Alors ce truc-là, je l'avais vu, hein. Je l'avais vu dans le colis. Je m'étais dit que c'était vachement stylé et je me suis dit que j'allais vous le montrer. Ah, oh, t'as serré vachement fort. Franchement, ça, je suis épatée, voilà. Je suis clairement épatée parce que... En fait, c'est le côté pratique. C'est le côté où t'as pas besoin de clipser un truc ou je ne sais trop quoi, d'avoir... Tu vois, c'est vraiment... Et t'as pas besoin d'attacher, de faire vraiment un nœud. En fait, c'est le système que je trouve vachement bien. Je sais pas si vous le voyez bien ou pas. En fait, c'est un truc et... par contre, ça se défait pas, quoi. Voilà. Ça se défait pas du tout. Et franchement, ça, je trouve ça très très classe. C'est une merveille. Tu vas le concept ou pas? Tu vas le désir ou pas? Ce gros fail... En tout cas, franchement, je trouve ça sacrément sympa. Écoute, ouais, je le recommanderai à mes patients. J'ai des couples, des fois, qui me contactent et qui veulent découvrir de nouvelles choses, qui veulent découvrir de nouveaux jeux. Mais pour le coup, ça, franchement, je valide. Je valide totalement. Surtout qu'esthétiquement parlant, je trouve ça assez sympa. C'est des couleurs qui vont bien ensemble, doré et violet. Je sais pas si t'as d'autres couleurs ou pas de ça. J'ai bien m'amusé avec ça, moi. Oula! Ça nécessite qu'on sorte les lunettes. Qu'est-ce que c'est que ton machin là? D'accord, ok, c'est une boîte magique. Yeah! Donc ouais, bon vous voyez, vous avez plein de petits ziboubouis. Et dans les petits ziboubouis, il y a des je sais pas. On va vite le savoir. Oula, votre langue est votre principal atout érotique. Vous avez 2 minutes pour vous en servir sur votre partenaire comme vous le désirez, mais sans vous servir d'une autre partie de votre corps. Coquine. Vous m'envoyez des trucs les gars, faut pas m'envoyer des trucs comme ça hein. Ça va mal finir cette histoire. Oui, en parlant de mal finir. Ah non mais hé, ça c'est une merveille. Fais ce qui te plaît. Viens, toi qui me regardes, viens, viens me voir. Hey, je veux bien m'amuser avec tous ces trucs que tu m'envoies hein. Mais je kiffe ces trucs moi. Au ciel, va falloir que je me dénude. Oui, alors comment dire? Ça va finir comme ceci, hein? Voilà, voilà, mes chéris. Oh, cette sexy attitude. Hein, qu'on est bien, là. Alors, ce truc-là, clairement, je peux le recommander. Maman, que je me sens toute belle et toute élégante. Ben, moi, il y a un truc qui m'épate dans ce que tu m'as envoyé, là, Miss. C'est que en termes de qualité, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu qu'il y avait de la lingerie, je me suis dit, bon, c'est comme c'est de la lingerie synthétique. Ah oui, non, mais la qualité, en fait, c'est lourd. C'est très, très lourd, quoi. Le truc est pas... Tu sais, il est vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en termes de qualité, tu le sens, pour les personnes qui mettent de la lingerie, vous devez savoir clairement. Il y a vraiment des poids différents en fait, tu te rends compte de la qualité quand c'est lourd en général. Quand c'est lourd sans trop
trop l'être non plus, ça reste quand même quelque chose de très léger. Au niveau du tissu, de la matière, alors déjà, bon, c'est effectivement, c'est assez élastique, mais la matière, vraiment, la qualité, je m'attendais pas à ça. C'est excessivement doux, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Franchement, pour ce... non, je suis assez surprise que ce soit la dentelle ou que ce soit ce tissu-là, cette matière-là, vraiment, je suis assez surprise. Voilà, je trouve ça cool. Bah écoute, je te remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs parce que les unboxings, on va en faire. Hein. Non, tu sais quoi, bah reste là, tant que t'es là. Tant que t'es là, reste là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un mini god de poche, tu sais. C'est... ouais. Tu cliques, tu fais quoi? Oh, c'est un stylo! Côté blonde des fois, des petits côtés blondes, un chouïa. Donc c'est un stylo assez original, je le mettrai pas sur mon bureau professionnel, mais pourquoi pas. Alors ça non, hein. Non, ça je mets pas ça dans mon bain, alors moi j'ai un gros problème, c'est ça, hein, je crois que c'est des trucs, macaron, oui j'ai l'impression que c'est un truc de bain, alors peut-être que je dis des conneries, mais j'ai l'impression que c'est ça, du coup... Ouais non, ça je le mettrai pas dans mon bain. Clairement, déjà j'utilise pas de gel douche industriel, j'utilise absolument rien d'industriel. C'est déjà très compliqué pour moi, c'est-à-dire que tu me donnes même le petit Marseillais n'importe quoi, hein, tous ces trucs-là, pour moi c'est chimique au possible, hors de question que je me douche, que je me lave avec ces trucs-là. Moi si je me lave c'est avec des trucs naturels, voilà, je suis très spéciale avec ça. Hein, et encore naturel ça veut rien dire aujourd'hui. Comme je disais déjà dans les précédentes vidéos, des fois ça m'arrive de fabriquer moi-même mon propre maquillage, de fabriquer moi-même mes soins pour le corps, mes trucs de beauté, je les fabrique moi-même avec du pur, avec des huiles, avec des crèmes, avec des gels, mais genre pur, tu vois, du gel d'aloe vera, des trucs comme ça. Donc alors, ouais, non, ça moi je l'utiliserai pas, mais je peux le recommander une fois de plus pour quelqu'un qui a l'habitude et pour quelqu'un qui met déjà ce genre de choses. Voilà, des trucs de bain, je sais même plus comment est-ce qu'on appelle ça. Ça va, lumière, éteins-toi, te gêne pas, surtout, y a pas de problème. Ensuite, Karma Sutra, c'est magnifique. Ok, alors attends, ça m'a l'air très très classe. Hey, t'as le choix là-dedans quand même. Hein. Là-dedans, t'as quand même le choix. J'aime bien le concept. Ça, j'aime bien ce concept-là, je trouve ça assez sympa. De toute façon, les jeux de cartes, vous pouvez aller voir directement. Donc, j'ai fait une vidéo, justement, sur un jeu de cartes. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Je vais essayer de vous le mettre là. Franchement, c'est génial! Ah, j'adore. J'aime beaucoup ce concept. L'union des amants. Non, j'aime bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ben, je crois que c'est tout, hein. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé, la pépette, là. Bon, bah écoute, merci. Merci beaucoup pour tout ça. Et ben, j'espère que ça vous a fait plaisir, hein, de vivre avec moi cet unboxing. Là, maintenant, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je vais aller me démaquiller, prendre une bonne douche et dormir. Aujourd'hui, je me suis pas assez reposée, tu vois. J'ai rien foutu, j'ai pas travaillé. Mais pour moi, je me suis pas assez reposée. Pour une fois que je passe une journée où je travaille qu'une heure, ça fait du bien. Voilà, c'est... hein, ça change de mes 12 à 14 heures par jour. Voilà mes petits kiki, je vous fais plein de bisous et on se dit ben rendez-vous, je sais pas quand l'envie de faire une vidéo me reprendra. Parce que là, clairement, je sais que vous m'envoyez encore plein de messages sur Instagram et sur Facebook où vous me parlez un petit peu des thèmes de vidéos que vous voulez, mais j'en ai déjà une grosse liste en fait, hein. J'ai une liste d'au moins 10 vidéos à venir, donc voilà, vous m'avez demandé, vous m'en avez demandé tellement, j'en ai plein et ça va être sacrément cool tout ça. Et surtout, likez la vidéo, commentez-la, parlez-moi un petit peu de tout ça, de tout ce que je vous ai montré, si ça vous plaît ou pas du tout. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, merci à toi de m'avoir envoyé ça, c'est cool. Donc oui, j'en parle volontiers parce que ça me plaît ce qu'il y a dedans. De toute façon, en ouvrant le colis, si ça n'avait pas plu, je l'aurais dit. Et clairement, j'aurais pas fait de vidéo. Là, pour le coup, j'en fais une parce que je trouve ça tip-top. Sacha, tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Comme ça. Ha ha ha.